La danse frénétique de ces fidèles évangéliques des affranchis accompagnés de louanges pour glorifier Dieu. Depuis 72 heures, ils sont à la découverte de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Et le thème, c'est les derniers jours. Un thème qui a été choisi compte tenu des événements que nous vivons actuellement. Le diable a changé complètement le monde. Cela a donné une réflexion intense aux dirigeants et ça nous a conduit à choisir ce thème. Les participants venus du Nigeria et des 12 départements du Bénin se disent comblés. Il y a eu des formations à l'endroit des jeunes, des formations à l'endroit des leaders, des formations à l'endroit des femmes. J'étais resté dans la session des leaders où on nous a enseigné comment le leader doit mener une vie de leader. Il ne doit pas être comme un homme ordinaire. Désormais, moi je sais qu'il faut se dire, tout ce que je fais sur cette terre, ce n'est pas seulement parce que je dois plaire aux hommes, mais je dois plaire à Dieu, être parfait, agréable à mon Seigneur. Donc je le fais de tout cœur, bien ouvert, envers le Seigneur, sans regarder tout ce que les autres vont dire sur moi, mais je regarde à la croix et je sais qu'il y a un objectif pour moi, le paradis. Je voyais la main du Seigneur agir dans ma vie, dans la vie des fidèles. Et donc, au-delà de cet avertissement que ce thème nous donne, à savoir les derniers jours, je crois que c'est une occasion pour chaque fidèle de se ressourcer spirituellement, matériellement et tout. Pasteur Benoît Ganhalode est le fondateur de l'église Mission évangélique des affranchis, MEA. Cette 15e convention annuelle prendra fin avec une messe d'action de grâce. Le peuple de Dieu entend ainsi être dans la dynamique du grand rendez-vous, le retour de Jésus-Christ.